Bonjour et bienvenue, chers amis, pour le message du tarot. Que vous dire sinon, waouh, quel tirage! Vous avez trois premières cartes qui sont des arcanes majeures. Ça commence par l'empereur, l'impératrice, la grande prêtresse. On a l'impression qu'il y a une déclinaison, c'est-à-dire qu'on revient en arrière par rapport à une situation. On bascule de l'empereur vers l'impératrice, de l'impératrice vers la grande prêtresse. 4, 3, 2. Et vous avez au final le 4 de bâton. À mon avis, ici, il y a quelque chose qui va être ancré très précisément, très simplement, de manière toutefois déséquilibrée. Voilà pourquoi il y a un retour par la case départ. Ok, merci. Un retour parce qu'il faut équilibrer là quelque chose. En fait, ce que vous mettez en place, ce que vous mettez en œuvre ne correspond pas tout à fait à ce qui a été imaginé, comme ça a été pensé, comme ça a été élaboré, comme ça a été planifié. Il y a quelque chose qui vous a échappé pendant cette étape de concrétisation, pendant cette étape matérialisation. Il y a ce côté, on revient en arrière. Pourquoi ? Bah pour revoir les racines, pour revoir la situation dans sa globalité, dans sa généralité, dans ses profondeurs. Et par là, je crois que vous allez réussir à remettre les choses en ordre, comme s'il y avait quelque chose qui s'est incliné d'une certaine façon. Et là, il faut redresser la barre. Et vous allez la redresser, cette barre, grandiosement, avec beaucoup de facilité, vous avez le jugement, avec beaucoup de simplicité. Il y a une transformation en fait sur quelque chose qui existe déjà, que vous avez concrétisé, matérialisé, ancré, mais en fait ça ne correspond pas à ce que vous vouliez, à ce que vous désiriez, à ce que vous projetiez. Et là, il y a ce retour en arrière pour mieux faire, waouh, c'est quand même puissant et fort, parce que sur les 5 cartes, là pour l'instant vous avez 4 cartes qui sont des arcanes majeures. Waouh, ça va être fort. 9 de coupe, mais c'est pour le mieux, pour le bien. C'est pour avoir justement quelque chose qui réussit pleinement, entièrement, et qui correspond à ce désir qui a été mûri et maturé depuis très très longtemps, je crois. Vous avez besoin de ce retour en arrière, de ce retour vers la case départ, pour juste incliner un petit peu, remettre les choses en ordre et en place pour, waouh, la tour, pour déstructurer ce qui a été construit. On sent que vous avez besoin de passer par cette case déstructuration, défaire. C'est comme si, en fait, l'image comme on voit, c'est quelqu'un qui est en train de tricoter. Et en fait, on défait le tricot pour mieux refaire parce qu'on a raté une ou deux mailles. Voyez, c'est vraiment retravailler quelque chose, refonder quelque chose pour avoir des fondations solides, les bases solides de la situation. Et vous avez le 5 de bâton parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas là. Vous allez vous rendre compte que vous avez raté un virage là. Vous avez raté une sortie de route, vous avez raté une sortie qui, je pense, vous aurait mené vers ce que vous désirez réellement. Mais là, ce petit détour a conduit à ce que ça ne corresponde pas à ce que vous voulez réellement. Et ce 7 d'épée, en fait, c'est de plus en plus clair pour vous, je pense. Ce sera de plus en plus clair dans votre cœur et dans votre âme. Ça va se clarifier en vous. C'est pour ça que vous n'allez pas avoir de problème pour revenir sur vos pas, pour mieux restructurer quelque chose, l'étoile. Et pour cela, vous allez même être guidé. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas bon là, que ça ne correspond pas à ce que vous vouliez. C'est comme si vous aviez construit quelque chose, puis vous dites, quand vous prenez un peu de distance, vous dites, non mais attends, là, c'est penché, c'est pas équilibré, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et ça, ça va vous conduire aussi à travailler sur cette guérison en vous de ce désir qui veut s'imposer tel qu'il est à l'origine. On veut vraiment que ça corresponde à l'original. Parce que là, il y a cette idée que la copie ne correspond pas à ce qu'on veut, quoi. C'est une copie. Et vous avez le valet de bâton. Ça va vous obliger à agir, ça va vous obliger à réagir, ça va vous obliger à avoir ce côté malicieux. Je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde. Parce que je sens dans ce valet de bâton, ça ne plaît pas à tout le monde, ce détour, ce retour à la case départ, mais vous vous en fichez. Parce que j'ai l'impression que ça vous tient à cœur. Et donc, vous avez même ce côté un peu malicieux qui est en train de dire « Non, mais attends, tu veux quoi ?» J'y vais quand même. Et donc, il y a ce côté résistance là. Parce que c'est important pour vous que vous fassiez ce détour et que vous reveniez sur vos pas, 7 de bâton. Parce que vous voulez, vous désirez profondément que ça corresponde en fait à ce que vous avez imaginé, ce que vous avez prévu au départ. Parce que sinon, vous risquez de vous retrouver face à un conflit en vous. Ce conflit peut être très profond,
très significatif, parce que je crois que vous voulez à tout prix que ça corresponde à une valeur, à un principe, à un désir, à une envie, à ce quelque chose qui vous a poussé au final à l'extériorisation et à ce côté mettre en mouvement encore un arcane majeur, les amoureux. Je pense que la réalisation ne correspond pas à votre décision. Quelque chose, votre choix n'est pas respecté ici. Pas entièrement, il est respecté qu'en partie. Et pas entièrement. Donc vous allez vous dire, c'est pas possible, valet de coupe. Mon cœur ne veut pas ça. Je veux que ça corresponde à ce que j'ai désiré, à ce que j'ai préparé, à ce que j'ai voulu. Et tout cela vous conduit, vous, 4 de coupe, à refuser une situation. 4 de bâton, 4 de coupe, et au départ c'était l'empereur numéro 4. Donc vous êtes prêt à déstabiliser une situation, vous êtes prêt à réviser quelque chose, à retravailler quelque chose parce que vous estimez que ça doit être comme vous l'avez voulu, comme vous l'avez prévu et comme vous l'avez désiré. 7 de coupe, et je pense que ça va vous conduire à revoir votre décision, à revoir votre choix, à revoir une situation ici parce que cette impératrice veut revenir sur ce qu'elle a fait, c'est-à-dire ce que vous avez concrétiser ce que vous avez imaginé, comment vous l'avez fait, vous avez besoin de revoir les plans. Parce que vous êtes surpris, et dans cette impératrice, j'ai cette idée, on est surpris du résultat, on ne s'attendait pas à ça, on ne s'attendait pas à ce résultat-là, on veut que le résultat corresponde à ce qui a été convenu, à ce qui a été dit, à ce qu'on a voulu, les amoureux, et on veut qu'on respecte notre choix. On désire le respect de son choix. Et là, ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous avez choisi. Vous savez, le 6 de denier. En fait, il y a un groupe de personnes qui ne respectent pas vos désirs, votre volonté, un groupe de personnes qui ne respectent pas ce que vous avez en fait initié et prévu. Il y a un déséquilibre dans la matière là. Le chevalier de denier. Donc, on va déstructurer, on va prendre le temps, parce que là, on prend son temps pour déstructurer. Revoir les fondations, revoir les choix, revoir les désirs, revoir les envies, revoir les propositions. On n'a pas peur de bouger. Vraiment pas. On n'a pas peur de bouger. As de bâton. On n'a pas peur de saisir de nouvelles opportunités, si nécessaire. Parce que cette idée, c'est peut-être pas tout à fait nécessaire, mais si nécessaire, on n'a pas peur de saisir de nouvelles opportunités et on n'a pas peur d'avancer et surtout de revoir ses propres décisions. On n'a pas peur d'interroger ses propres choix-là, aucunement. Parce qu'il n'y a aucune honte à s'être trompé dans la réalisation. Parce que vous voulez que ça corresponde exactement à ce que vous avez prévu initialement. Vous avez le 5 de denier. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous bouscule, parce que ça ne correspond pas à ce que vous vouliez. Il y a un souci d'adéquation là. Entre ce que vous avez prévu, planifié, imaginé et ce que vous avez au bout du compte. Et ce au bout du compte ne correspond pas à votre désir, 5 de bâton encore. Et ce page de bâton, je peux vous dire qu'il est prêt à se battre pour aller jusqu'au bout d'une situation, pour aller jusqu'au bout de ce qui se passe parce que vous êtes prêt émotionnellement. Émotionnellement, il y a quelque chose qui va s'avérer prêt et surtout prêt à être concrétisé, prêt à être matérialisé. Vous avez 4 de coupe à nouveau, 4 de coupe qui nous dit je refuse d'accepter les choses telles qu'elles sont, je sais que je peux revoir les choses, je sais que je peux faire mieux, je sais que je peux faire les choses différemment. As d'épée, je sais. Et là, aucune discussion. C'est pour ça que ce petit valet de bâton nous dit qu'est-ce que tu veux? J'y vais. Je m'avance, je fais ce que j'ai à faire et je vais faire sans aucune difficulté, en fait, le nécessaire pour que les choses correspondent, en fait, ni plus ni moins à quoi? À ce que j'ai prévu initialement. Vous avez le chevalier d'épée. Vous allez avoir des informations et des échanges rapides et je vous sens très très combatif. As d'épée. Eh ben voilà, vous voyez? As d'épée. Je vous sens très très combatif, très dans une communication tranchante, déterminée. C'est pour ça que ce petit valet de bâton nous dit qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, voilà. Parce que je veux cet as de bâton. As de bâton, c'est la même énergie. Je veux quelque chose de vibrant, quelque chose qui correspond à ce désir. Je veux saisir vraiment cette situation. Chevalier de denier, chevalier de denier. Je prends le temps de déstructurer. Je prends le temps de revenir sur ma décision et mon choix initial. Parce que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de déstructurer. Je n'ai pas peur de retravailler quelque chose. Je n'ai pas
peur de déraciner pour mieux enraciner. On va arracher tout ce qui ne correspond pas à ce désir, tout ce qui ne correspond pas à quelque chose en soi. On va arracher. Vous voyez, il y a un retour en arrière, il n'y a pas de doute là. On revient sur la case de départ, dans la case départ, et on revient en arrière pour revoir, retravailler, pour restructurer et surtout pour que l'activité, l'action elle-même corresponde à ce qu'on désire et à ce qu'on a planifié. Le soleil, parce qu'on sait qu'on peut avoir mieux, on sait qu'on peut avoir plus, on sait aussi qu'on mérite plus. Deux de coupe, on sait qu'on veut plus. On veut plus, on désire plus et on n'a pas peur de le dire, on n'a pas peur de l'exprimer, on n'a pas peur, waouh, de s'expliquer, 10 de coupe. Je pense que là, vous voulez tout ou rien. Et deux de bâton nous dit, pour vous, c'est très très clair. Il n'y a pas de doute dans votre tête, il n'y a pas de doute dans votre cœur, il n'y a pas de doute dans votre communication. Vous allez clarifier les choses, mais avec beaucoup de conviction personnelle. La roue de la fortune. Vous allez avoir le soutien de l'univers, vous allez avoir beaucoup de hasard, et je pense que ça viendra à travers des messages, à travers une communication rapide. Vous allez avoir des connaissances, waouh, trois de coupe, qui vont vous apaiser, qui vont vous confirmer. En fait, des hasards, parce que vous aviez l'étoile ici, la roue de la fortune, c'est quelque chose qui va vous apaiser parce que ça va vous confirmer que oui, il faut revoir quelque chose, il faut revenir en arrière. Et c'est comme ça que vous allez avoir cette conviction qui va vous libérer de cette énergie toxique. Et je pense que l'énergie toxique, c'est les autres. Quand je dis les autres, c'est-à-dire ceux qui vont quelque part interroger votre audace de revenir sur une situation, votre refus, 4 de coupe, 4 de coupe. Et on avait aussi 4 de coupe. Votre refus sera interrogé. Je pense que tout le monde n'est pas satisfait de ça. Et ça, c'est votre énergie toxique ici. Parce qu'il y a des gens qui vont refuser cet état de fait, 9 de denier. Mais là, je peux vous dire que vous n'allez vraiment pas vous en préoccuper. Parce que vous savez parfaitement ce que vous voulez. Vous savez parfaitement ce que vous désirez. 7 d'épée, les choses sont claires pour vous. Dans votre tête, dans votre cœur, il n'y a aucun doute et aucun secret. Vous voulez sortir de ce 5 de denier, c'est-à-dire qu'émotionnellement, vous avez parfaitement compris que ça ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas et vous l'acceptez. 4 d'épée nous dit, vous l'acceptez sans aucune difficulté parce que vous êtes conscient que vous pouvez vous en libérer, parce que vous êtes conscient, 6 d'épée, que vous pouvez tout tranquillement, tout gentiment, revoir les choses, la tempérance, mais il faut rester vraiment tranquille. Vous voyez, la tempérance nous parle de ce côté tranquille, de ce côté prendre son temps d'eux. Et chevalier de denier, comme le 3 de bâton, nous disent que vous allez prendre votre temps de revoir certaines idées, certaines structures, certaines façons de procéder, certains comportements, et aussi certaines relations, me dit-on, l'ermite, parce que vous avez besoin ici de replonger dans votre cœur pour faire ressortir et concrétiser quelque chose très clairement, sans aucun doute. Et ça, quitte à revoir certaines décisions, certaines relations, et à revoir 8 de denier, ce qui a été fait, on le défait. Il y a vraiment ce côté détricoté, ce qui a été fait, parce que c'est nécessaire de transformer une situation en profondeur. Ça ne convient pas, ça ne correspond pas avec ce qu'on voulait, avec ce qu'on désirait, et avec ce qu'on avait prévu au départ. Alors, pour notre oracle, vous avez ici l'équilibre. Bah oui, là, je pense que ça, non, ça convient pas. Même si vous avez ici le mot équilibre, il y a cette conviction en vous qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce qui a été dit, à ce qui a été prévu, à ce qui a été convenu. Les sentiments exacerbés, et ça pour vous, ce sera très très clair. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est incroyablement forte et puissante, et vous n'avez pas peur de le dire, vous n'avez pas peur de l'exprimer, parce que pour vous, vous ne pouvez pas laisser les choses se passer ainsi, vous ne pouvez pas laisser les choses se terminer comme ça, vous avez besoin de revenir vers quelque chose qui vous permet de revoir les choses, quitte à ce que ce soit difficile. Les difficultés nous disent que vous n'acceptez pas les choses telles qu'elles sont. Et vous allez vous battre jusqu'au bout. Vous allez vous battre, mais vraiment de toutes vos forces dans cette situation-là, parce que pour vous, cela est inacceptable. Ton incarnation, enfance, monde de l'imaginaire, de tes rêves secrets et de ta connexion avec l'invisible. Renouer avec ton enfant intérieur, ça c'est l'ermite. Et on a cette idée avec la papesse, c'est vraiment ce retour vers son enfant intérieur, vers son âme. C'est retrouver ta magie et ton pouvoir d'action sur ta réalité. Votre réalité ne vous convient pas.
Monde de l'imaginaire, de tes rêves secrets, de ta connexion avec l'invisible. Renouer avec ton enfant intérieur, c'est retrouver ta magie et ton pouvoir d'action sur ta réalité. Ce qui est dans la réalité ne correspond pas à ce qui a été voulu, ni plus ni moins. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.